Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélisère. C'est VOA Creole qui entre la caillou dans le moment ça. Comme d'habitude, nous sommes ensemble les vendredis et nous apprenons à prendre les bonnes habitudes et nous avons dans le moment ça. Et en général, nous sommes ensemble. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité et ça, Jean-Robert Philippe pour aller avec nous. Dans rendez-vous info, dernier rendez-vous info pour ce maintenant. On dit tout pour mois septembre là, qui pratiquement a fini. Mais nous voulons commencer d'abord avec deux faits importants qui sont très chers à nous-mêmes. Il y a deux personnes qui ont fêté l'anniversaire qui sont très chers à nous-mêmes. C'est d'abord Serge François Michel, nous connaissons qui a servi nous depuis Miami dans l'État Floride. D'ailleurs, monsieur en congé aujourd'hui. Donc nous voulons dans notre tout service créole là. Eh bien, souhaiter Serge François Michel un joyeux anniversaire et yo choisi dit monsieur li libre jodi a donc pour l'aller manger gâteau pour le faire toute salle qu'on est qui bon et une autre fois encore dans non service créole là dans non toute l'autre camarade yo nous dit Serge François Michel nous remet en pile et c'est yon nan vieux dans équipe là qui l'a longtemps avant Jean Robert avant Serge Rodriguez. Donc, parmi l'équipe là, après Sandra, c'est un monde qui pis et vieux dans l'équipe là. Donc, Serge François Michel, nous souhaitons bonne fête. Gon l'autre monde qui est très cher à nous, qui a fêté aujourd'hui. Et tout le monde en bas live là, nous connaissons habitué de la maison, c'est madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis. Lui même tout l'a fêté aujourd'hui vendredi. 29 septembre, nan, eh ben nous voulons dire Madame Saint-Louis, qui est très chère à nous, très chère à nous, eh ben nous dit bonne fête et nous souhaitons tout ça qui bon. Donc, nous avons deux fêtes aujourd'hui. C'est Serge François Michel, depuis Miami, qui a servi dans Miami, et puis qui s'est collaboré nous, et avec Madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis, et nous souhaitons bonne fête. Nous parlons Madame Saint-Louis en bas live là. Nous avons l'impression que la fête est un peut-être que la mbawel, mais s'il là, nous saluons de façon spéciale. Et s'il pas là, in absentia, nous saluons. Ok, dans ça, nous allons rapidement parce que Jean-Robert Philippe prend le micro dans un petit moment. Eh bien, il y a plusieurs grands points qui ont dominé l'actualité. D'abord, gagné ça aurait les fermetures gouvernement fédéral là. Eh bien, c'est ça aurait les comptes à rebours là. Il y a gagné monsieur négociateur, yo, en pile yeux braqués sous Congrès américain parce que d'ici samedi demain à minuit eh ben si pas gain entente qui joigne eh ben gouvernement fédéral là a fermé et l'a gain en pile répercussion sous en pile et administration en pile secteur dans pays a et par exemple yo parle en pile de secteur aérien comme petit voyageur a bien li par exemple gain contrôleur gagne l'autre monde qui a joué go wall si on pas la bas la gâté et si on ferme gouvernement moun sa yo a obligé à venir travailler donc moun sa a travail mais yo pas en mesure pour payer parce que si congrès a pas joindre yo entente pour financer opération gouvernementale yo moun sa yo obligé travail mais yo pas ka payer pour le moment c'est ça aurait les gain moun tout qui pas travail du tout si yo pas essentiel. Ça veut dire que bamba nous sac essentiel là par exemple, nous même dans VOA Creole puisque n'a prend micro, puisque nous gon qualité bagaille pratique que n'a fait, nous même n'a vinn travailler quand même mais nous poko a touché. Y aurait les ça furlo mais nous voulons dire pour traduire c'est un genre de chômage technique parce que après ça les bagaille yo vinn ranger, y a payé moun ça. Donc gan pile moun qui pral obligé par exemple en nous prend par exemple pour secteur aérien en dit aviation fédérale gain 17 000 moun que y a voyé dans sa relé chômage technique l'a gain répercussion tout sur le marché de la bourse sur économie américaine nan. Donc l'a gon paquet ça fait c'est pas première fois que ça t'a fait s'il fait faut dire que le poko fait mais en pile analyse qui dit que gain pile possibilité que li fait président Joe Biden dit que li pas inévitable. Il y a possibilité quand même que yo joignent entente dernière heure, ça qu'on rivait tout le temps.
Ça arrive plusieurs fois que, eh bien, lorsqu'on est bagarre, le gouvernement prend le fermer, et puis à minuit, monsieur, vous joignez une entente. Vous pouvez peut-être joindre une entente, par exemple, ça aurait les budgets de continuation, et vous joignez une résolution de continuation. Donc, si vous joignez une résolution de continuation, ça veut dire que le gouvernement a prêté ouvert, mais il y a peut-être 17 novembre pour être capable de recommencer avec même bagarre. Faut dire que ça arrivait environ 22 fois que ça arrivait que le gouvernement fermait. Donc c'est pas la première fois ça a fait, mais c'est toujours un gros événement, laisse ça arriver parce que qu'on y a tout yeux braqués sous le Congrès américain. Donc c'est un gros point qui dominait l'actualité. L'autre gros point qui dominait l'actualité et nous-mêmes dans VOA Créole n'a pas suivi de très près, c'est question dossier Guy Philippe là. Guy Philippe tant que nous connaissons, il était condamné pour le passer 108 mois en prison et yo la gueule après environ 6 ans. Depuis 7 novembre d'après département justice, il était gagné normalement pour li libérer, pas normalement li libérer, mais li poko gen accès pour li retourner dans pays. Depuis 7 septembre, donc 7 septembre, le li fin puger peine ça que la justice te mettait sous dollar. Et bien ça qui vient arriver c'est que gagné immigration, service immigration, ça ou les ICE là, qui service immigration avec douane. Lui-même il était prend en charge monsieur Guy Philippe. Et jodi a fait environ il était depuis 27, donc ça fait dire 29 jours, 22 jours depuis que il lagué. Et Guy Philippe et nous te recevoir yon voice, ça nous relon voice, un message vocal que avocalité ba nous en parlant de monsieur Louis Cher Jean-Joseph. Eh bien, yon voice que grand pile moun ki gen et qui yon ti jan presque viral sou internet là. Eh bien, côté que Guy Philippe dit que le te recevoir mardi 26 là, FBI avec Homeland Security qui te vini côté, eh bien, yon dit que tout bagay li ok, tout bagay li siyen, et que l'ap capable d'entrer la kaili nan date, nan jeudi hier là, jeudi qui te 27 là. Mais nan mercredi, eh bien, yon mette l'ambus pour l'al prendre avion pour l'al retourner dans le pays et puis il dit que eh ben gain 10 lot moun que gouvernement signe pour yo mais li même yo pas signé pour lui. Donc ça veut dire que li même li pas ka quitter les États-Unis, li toujours et donc li obligé retourner en détention toujours en bas main service immigration. Nan voice sa Guy Philippe dit que li même quoi que li senti en danger parce que il pas voulait manger. Il pas voulait boire non mais personne parce que le peuple pour un bagage pas arrivé. Tu gagne normalement avocat qui te fait nous connaître que eh ben tu gagne possibilité pour monsieur te lancer une grève de faim. Mais grève de faim gagne pas. Yo t'ai quitté le tomber, yo dit que gagne plusieurs proches li qui fait le connaître pour pas faire ça. Mais s'il dit que le pas manger, le pas boire, là gagne l'autre problème gagne un petit problème. Mais ça nous-mêmes ça nous fait toute information que nous joignons, nous porter ba ou. N'a laissé entrer en contact avec gouvernement haïtien qui pa ba nous yon position. Nous entrer en contact tout avec et service immigration ici aux États-Unis qui nous dit que eh ben Guy Philippe gen document de voyage, il gen feuille de route li pour qu'il sale pas ka retourner Haïti. Yo fait nous connaît que yo pas fait commentaire sous dossier ça. C'est ça service immigration aux États-Unis fait nous connaît. Donc, le Guy Philippe dit que li pa fait grève de faim et que tout li pa vle boire ni manger, li peut donc ça pa konnen ki l'autre interprétation que nous capable gagne de li. En attendant, Guy Philippe toujours nan main et autorité américaine plus précisément et immigration et en attendant que eh ben gagne une décision qui prend. Nous t'ai parlé avec Brian Concanon qui sont avocats américains qui connent système non. Il dit que son dossier qui gagne plusieurs aspects là-dedans, il y a un aspect juridique. Ministère et justice américaine déjà dit mot parle déjà, il a gueulé. Il y a un aspect immigration. Là au fin la gueule puisque il pas légal dans pays, immigration lui-même prend en charge. Donc c'est en question immigration et puis il gagne une autre question politique là-dedans. Politique là-dedans, il y a plusieurs et considérations que nous tendez que avocat fait notamment avocat Guy Philippe dans pays d'Haïti monsieur
lui cher Jean-Joseph, il dit que son violation et déclaration universelle droit monde. Et c'est ça Guy Philippe tout dit, c'est en violation et déclaration universelle droit monde. Et gain l'autre et considération tout que monsieur Brian Concanon met bon Brian Concanon fait côté qu'elle dit que mais Haïti pas gain droit lui-même refuser pour accueillir Guy Philippe parce que son ressortissant haïtien lié, il gain droit à ça parce que lycée en haïtien et il prouvait qu'ils sont haïtiens d'après sa avocat dit nous, il prouvait que c'est haïtien parce que il gain passeport et il gain passeport valide d'après sa avocat dit. Donc c'est un autre dossier encore que nous-mêmes n'a suivi pour troisième gros dossier encore, c'est dossier canal là, n'a pas aller vite. Et ben dossier canal là et dernier ça nous capable de dire c'est que premièrement nous toujours gain en solidarité, un mouvement solidarité qu'a fait autour de canal là et grand pile faut dire que grand pile monde qui portait coller la donne. Gain chanteur, gain businessman, monde qui bail cob, monde qui bail et matériaux de construction. Donc on paquet monde porter solidarité avec question construction canal là. Pendant ce temps, et président Luis Abinadel qui te prend gros décision fermer toute frontière gain avec Haïti, terrestre, frontière aérienne et maritime, et ben il dit lui-même il pas voulait que rentrer en conflit avec Haïti. C'est pas ça et même lui-même mais cependant gagné OEA, Organisation des États Américains, lui-même qui était fait jouer en médiation. Et une autre fois encore, monsieur Abinadel dit qu'il ne peut pas négocier tout le temps que canal la construction canal la pas campé. Et moun qui na construction canal la, tout moun qui militant, yo dit que canal la a continué et construction canal la. Et dans canal ça d'après tout reportage que nous faisons et nous gain et Jodel Junior Saint-Ville qui l'autre bois correspondant nous. Et bien, il y en a suivi pour nous. Il dit, tant qu'on moun dit en bas live là, canal là, pas campé. Nous voyons que gagne des faits très particuliers là. La donne notamment, nous voyons, fi, un pile fi qui a bat moitié l'autre bois, qui a cimenté. Nous voyons, ti moun tout, qui entre dans cause à yon conscientisé tout. Et nous te ba nou aspect technique là. Tout est gon ingénieur qui ba nou aspect technique là. Et jodi a, n'aborions l'autre aspect qui c'est aspect financier et parce que grand pile monde qui baille cob grand pile monde qui voye cob grand pile account que baille et ben on dit que yo même il a continué avec canal là. Donc c'est trois gros dossiers ça que nous te voulons et avant aujourd'hui et ferme possibilité pour le gouvernement fédéral la fermer demain à minuit, il peut confirmer mais demain à minuit n'a connait est-ce que la fermer ou bien il pas fermer. Et puis deuxièmement c'est gain dossier canal là et puis troisièmement dossier Guy Philippe là. En attendant nous connaît que eh bien, 2024 là c'est pas l'année électorale aux États-Unis, ce sont gain débat deuxième débat primaire là alors que gon troisième débat qu'a gain pour faire mais premier débat ancien président Donald Trump lui-même lui qui en démêlé avec la justice encore lui-même lui pas présent, lui dit tellement loin monsieur Sayo que il pas besoin exercer ça pour lui et vin piwo pour conscientiser moun yo parce que tout moun eh ben connaît que eh ben li devant net d'après ça dit. Donc c'est en gros dossier ça yo que nous te wa pour et puis nous l'autre fois encore nous dit bonne fête madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis, bonne fête Serge Guito, c'est comme ça nous Serge Guito Serge François Michel. Donc c'est là nous mettez fin dans intervention ça dans un petit moment là dans environ 3 à 4 minutes. Nous parlons de Jean-Robert qui va le présenter nous. Eh bien, qui va le présenter nous. Rendez-vous. Info, c'est dernier rendez-vous nous pour ce maintenant. Donc, Kembe la palage, toujours Kembe avec VOA Creole, qui lui-même toujours abat nous toutes gros nouvelles qui gagnent sous planète là, qui gagnent rapport avec la communauté haïtienne. Moi, c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir et pas oublier dans 3 minutes avec Jean-Robert Philippe.